un jeune de 17 ans tué par un policier. Une mort dramatique, une faute, un crime inexcusable qui demande justice, nous sommes tous d'accord. Mais une justice pacifique. La violence contre la violence ne résoudra rien, bien au contraire. S'en prendre aux écoles, aux bâtiments publics, c'est s'en prendre au bien commun. C'est juste inadmissible. Je condamne fermement les actes de violence qui ont eu lieu cette nuit à Guyancourt, comme dans de nombreuses villes de France. J'étais cette nuit en lien avec la préfecture et les forces de police qui étaient mobilisées sur l'ensemble du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et d'ailleurs. Je mets en garde aussi contre tous les amalgames dangereux et les instrumentalisations nauséabondes qui mettent à mal notre cohésion. Les services de la ville sont mobilisés depuis tôt ce matin pour sécuriser les circulations et rendre accessible l'espace public. J'en appelle au calme et au sang-froid de chacune et de chacun.